Salut salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait toujours très chaud, nous sommes le 17 juillet 2022, la canicule continue. Alors du coup, j'allume les machines au dernier moment, je prépare les trucs à l'arrache, mais ça devrait bien se passer. Alors, comme on est dimanche, on va continuer nos aventures avec les conteneurs et on va surtout continuer nos aventures avec Kubernetes. Alors, hop, j'ai pas forcément envoyé les messages sur les réseaux sociaux très très vite. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air d'être parti, ça c'est cool. Voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'un, hein. Salut à toi, Riz Jack. Bienvenue. Alors, je vais commencer à terminer de préparer ce qu'il faut pour qu'on puisse streamer dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, notamment, quelques machines virtuelles. Hop. Et ce que je veux, c'est pouvoir m'y connecter tranquillement. Alors, si jamais... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer... Bah, justement, je vais vous raconter un peu comment je prépare le biniou. Je vais passer tout de suite sur la partie... sur la partie bureau. Hop, voili, voilou. Alors, pour les habitués, vous savez que j'ai une machine de Home Lab qui s'appelle Marvin, et sur laquelle, notamment, jeudi dernier, on a pu mettre le lab Ascode dessus. Donc là, j'ai de façon visuelle la machine Marvin, là. Alors du coup, c'est un peu petit pour vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, puis je vais faire un peu la même chose en ligne de commande. Donc si je fais un petit sudo vir/slash list, là, on peut voir que j'ai pour l'instant 4... Non, pas 4, 5 VM, puisqu'elle commence à 0. J'ai 5 VM qui tournent. Et puis, si je regarde au niveau des réseaux, normalement, j'en ai 3 qui tournent. Mais il n'y en a qu'un seul qui m'intéresse particulièrement. C'est le réseau qui s'appelle ManyNodes. Et là, mes 5 machines virtuelles, elles, sont globalement identiques, sauf le nom et l'adresse IP. Et si je fais un petit edit sur Node 0, par exemple... non. Comment ça, cannot find? Ok, j'ai oublié comment... Ah si, je peux faire un dump XML. Hop, dump XML de Node 0. Voilà. Est-ce que j'ai ces CZ2 là-dessus? Oui. Hop, voilà. Alors. Hop. Donc si on a la config... La config ici, ou en gros, pour voir un peu tout ça, ce qui va nous intéresser en fait, c'est que notre machine virtuelle. Tiens, d'ailleurs, je suis resté sur des vieux trucs. Faudra que je configure ça. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de vous montrer qu'elle a 8 Go de RAM, qu'elle a 4 VCPU. Mais le disque, on ne voit pas la taille. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Toujours est-il que voilà, j'ai mes petites VM, hop, mes petites VM ici, et ce qui est intéressant, c'est de savoir que, eh bien, comme pour mon lab Ascode, en fait, j'ai fait du Terraform pour déployer ces machines virtuelles. Et c'est par ce petit aparté que je voulais démarrer pour vous signaler que le code est bien entendu dispo sur GitHub sur un projet qui s'appelle ManyNodes. Et hop, voici la page. Alors je vais vous la montrer, hop, je vais vous la mettre sur le chat et je vais le mettre aussi dans le Discord, dans les liens du live du Discord. Discord, vous pouvez retrouver l'adresse par là.
profiter pour m'hydrater un peu. Et donc, en gros, l'idée, c'est de pouvoir facilement, justement, déployer N machines virtuelles identiques et d'en profiter pour pouvoir, à ce moment-là, avoir un certain nombre de machines virtuelles identiques. Du coup, comme ça, on est tranquille, en fait. Si jamais j'ai besoin de déployer des trucs, je peux le faire rapidement. Voilà pour cette première partie de l'aparté. Et en gros, l'idée, c'est que, bien entendu, il y a un fichier d'exemple de variable dans lequel je peux mettre le nombre de nœuds que je veux, le nombre de vCPU, la mémoire. Je peux personnaliser le sous-réseau. Je peux aussi personnaliser l'image de base. Donc moi, je me base sur Fedora, mais rien n'empêche de mettre une Debian ou une Ubuntu. Alors j'ai testé ça vite fait au moment où j'ai rendu le truc public. Je pense que je vais essayer de passer un peu de temps dessus pour que ce soit un petit peu plus propre. Alors on pourra remarquer aussi qu'on peut installer un certain nombre de packages par défaut, parce que tout ça c'est basé aussi sur Cloud Init. Et qu'on peut personnaliser un utilisateur, lui mettre un mot de passe et lui proposer une clé SSH. De cette façon, on a vraiment les trucs de base. Comme ça, on a les trucs classiques pour pouvoir rapidement en fait démarrer entre guillemets un petit lab quoi. Je dis un petit lab, c'est pas la même chose que le lab as code du jeudi. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous montre ça pour la suite parce que pour le moment en fait. Globalement, j'ai, pour des raisons de quantité de mémoire vive notamment, puisque je les ai pour la suite de nos aventures sur Kubernetes, je vais monter drastiquement la quantité de mémoire et la quantité de CPU virtuelle, et donc je passe sur la machine HomeLab dédiée. Pour le moment... en termes de disque, ça reste juste le disque de base, c'est-à-dire l'image de base, là, une fois qu'elle est décompressée, entre guillemets. Je crois que ça fait une image de 5 gigas, il n'y a pas grand-chose de plus. J'espère, pour les prochains streams, pouvoir proposer, en termes de fonctionnalités sur ManyNodes, j'espère pouvoir proposer des disques secondaires. J'espère que ce serait cool. Ça me ferait bien plaisir. Mais ça dépendra de si j'ai le temps. Ça c'était pour un petit aparté pour montrer un peu comment ça se passe un peu derrière, j'ai envie de dire, sous le capot. Un autre truc, c'est que du coup là je suis sur la machine qui sert à streamer, et bien entendu la machine de HomeLab, c'est une machine différente. Donc là, vous voyez, il écrit Marvin, et là, si je reviens ici, il écrit Bloodouf. J'ai pas envie de passer mon temps à me connecter en local. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit truc SSH. Donc ce qu'il faudrait que je fasse d'abord, c'est que je retourne dans mon répertoire Terraform. Hop. Et que je fasse un petit Terraform output. Et voilà, là j'ai les IP de mes machines. Donc j'ai fait un petit peu de config SSH avant le stream. Et j'arrive à me connecter dessus. Hop. 4. Hop. Alors, tiens, du coup, il y en a une, ça a pas bien marché, mais bon, on verra bien ce que ça donne. 4, alors, 5, node 1. Hop, node 2, tiens, lui aussi, node 2, il a pas aimé.
Hop là. Voilà, je me rajoute quelques onglets. Alors, 5, c'est bon. 6. Hop. 7. 9, 3. Et le note 4. Voilà. Très bien. Parfait. Alors, l'idée, c'est d'installer Kubernetes avec K3S. Et ce que j'avais indiqué dimanche dernier en fin de stream, c'est que j'aimerais bien installer Rancher. Alors, qu'est-ce que c'est que Rancher ? En fait, c'est une interface web, j'ai envie de dire un peu sympa, qui permet en fait de... d'avoir un portail pour gérer son cluster Kubernetes. Et donc, ce rancher, ça s'installe bien entendu sur du conteneur. Sinon, c'est pas drôle. Et en gros, voilà, c'est vraiment pour se faciliter la vie. Sur du Kubernetes. Chouchou, bien le bonjour. Salut à toi, Azram. Bah justement, j'allais bientôt parler de toi. Parce que Azram, il est super sympa. Et Azram, il a l'air d'aimer un peu les challenges. C'est-à-dire que Azram, après le dernier stream, il était en mode « Non, mais... ça a l'air cool tout ça, j'ai bien envie de faire pareil de mon côté et de te montrer des trucs comme ça pourrait être sympa pendant les streams. » Et donc Azram profite de son... je suis tenté de dire de son 14 juillet, alors je sais pas s'il a fait ça le 14, voire même peut-être un peu avant en fait. Mais lui il se dit « Ah, c'est cool, tiens, je vais me lancer un peu dans ce projet aussi, comme Nils. » Et c'est pas grave Azram, déjà c'est super gentil d'être là. Le Azram, il se pop des VM dans le cloud, et comme c'est pas forcément un habitué de Fedora, il tente quand même le coup, il se dit tiens, je vais me mettre des VM Fedora pour faire comme Nils. Et puis il suit un peu les mêmes chemins que j'ai fait, et puis il se dit tiens, bah voilà, Nils, si vous voulez faire du rancher, je vais attaquer rancher, tiens, je vois des trucs qui ont l'air d'être un peu difficiles, je vais les prendre en note, je vais me les garder sous le coude, et puis il se rend compte qu'il y a des problématiques, notamment le stockage persistant. Et puis arrive vendredi 15 juillet, et le Azram, il me tape la discute sur un chat, et il me fait « Ouais, bah voilà, tiens, voilà un petit doc qu'on vit. » Alors du coup, vu que c'est un truc qui m'a partagé que à moi, je vais pas forcément l'afficher comme ça en stream, parce que honnêtement, je l'ai parcouru vite fait, mais je sais pas s'il y a des informations qui seraient potentiellement, comment dire... privé. Et puis il a même rajouté un WordPress dans le cluster Kubernetes. Donc en fait, limite, Azram, il m'a donné un peu toute la recette pour les prochains streams. Voilà, donc merci Azram, clap clap. Alors bien entendu, il y allait avec les petites recommandations habituelles, c'est tu penses que t'as flouté toutes les IP et les H. Ok, c'est cool, on verra comment on peut le partager. On en rediscutera peut-être juste toi et moi, mais en gros l'idée c'est que je vais me baser sur ce que tu as déjà fait, sur tout ce que tu as déjà débroussaillé, et encore merci pour les prochains streams. Salut à toi Shionji Wang, j'espère que tu as passé un bon week-end, que tu n'as pas trop chaud. Toujours est-il que pour le moment... je pense qu'en un peu moins de 2 heures, je vais avoir du mal à faire exactement tout le contenu de ce qu'il m'a envoyé. C'est-à-dire en gros cluster Kubernetes plus rancher plus stockage persistant plus VM, enfin pas VM, conteneur qui fait du WordPress
avec, avec une base de données, avec un stockage persistant. Déjà, si aujourd'hui on arrive, au bout du rancher, même si le stockage n'est pas persistant, on sera déjà pas mal. Je pourrais toujours, entre les streams, essayer de rajouter du stockage à la main pour la suite. Même si j'aimerais bien rajouter la fonctionnalité d'ajout de stockage sur Maininodes. Mais ça c'est une autre histoire. Voli voilou, donc on est parti. Je vais commencer par vous rappeler que on a donc 5 nœuds qui vont de node 0 à node 4. Qu'on va vouloir commencer par installer notre cluster Kubernetes avec 4.3s. Et pour cela, ce qu'avait fait Asram a priori, c'est qu'il avait installé directement Docker. Il n'avait pas installé juste 4.3s comme ça. Je ne sais pas si... Alors Asram, tu nous diras, tu me diras si jamais t'es pas sous un tunnel, si tu avais forcément installé Docker juste pour la partie rancher, ou si tu l'avais installé sur toutes les VM, et si tout le K3S tirait parti de Docker plutôt que de ce qu'il a en interne, hein, voire même, je doute fort que K3S était basé sur Podman. Docker, c'est pour avoir Rancher, ok. Et K3S, depuis Rancher. Donc, il faut installer Docker partout. Il faut installer Docker partout. Hop là. Alors, si ça se trouve avec le lag, il a peut-être pas encore eu le message. Et hop. Le petit lien qui va bien, comment on installe Docker sur Fedora. Je vais vous copier le lien d'ailleurs dans le chat. Hop, et le rajouter dans les liens du live. Alors. Ouais, alors déjà, enlever les vieilles versions. ça, normalement, on ne les a pas. Et alors, a priori, voilà, il y a déjà un repo. On peut installer ensuite, on ajoute un repo, et ensuite on installe le Docker Engine. Donc on va pas s'embêter la vie, on va suivre, hop, on va suivre les trucs. Donc, je vais le faire d'abord comme ça sur une machine. Ok, ça c'est bon. Alors, d'ailleurs, c'est pas vraiment K3S, ce sera RKE Rancher. Rancher Kubernetes Engine, K3S, c'est en preview. Oh, le détail qui tue. Alors, ensuite, on installe donc toute la suite d'outils Docker qui va bien. Alors, jusque-là, ça a l'air de se passer plutôt pas mal. Je note un truc, c'est que... Ah, punaise, Docker! Oh là, il y a du monde! Oh là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une masse de follow qui arrive. Ouais, on dirait un follow bot. On dirait que ça... Alors, la question, c'est ensuite, qu'est-ce que vont dire les nouveaux followers? Parce que il y a masse de follow, mais il n'y a pas de gens qui viennent. Bon. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas acheté de followers. Ah oui, alors du coup, maintenant, en plus, j'ai la musique, le petit jingle des follow qui part en... qui partait en boucle. Ouais, si, ça y est, ça continue. Donc on va se manger un petit peu la musique.
Ouais, Dashi, je suis assez d'accord avec toi, ça sent les bottes. Ça sent les bottes. Je vais attendre gentiment que ça... Oh là là, oh. Ok, ça pourrit un peu quand même le chat, hein. Ça pourrit le chat. Alors, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi faire vis-à-vis de ça. Alors, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est juste me contenter d'activer Docker. Hop, tiens, j'aurais pu faire un enable moins moins now, puisque on le start ensuite. Hop. Faudra que je prenne le temps de faire un petit report de tout ça. Mais ouais, du coup, c'est pénible. Ça va m'empêcher un peu de voir vos messages dans le chat. Hein. Alors, je sais pas si c'est le but, mais ça va être pénible. Je sais pas si avec les outils de modération, il y a moyen de modifier ça. Bon, bref, on va pas non plus... Je vais pas me prendre la tête pendant toute la soirée là-dessus. On va espérer que ça pourrisse pas trop le live. Je serais presque tenté, limite, de couper... alors, chez Onjiwang, c'est parti. Ouais. Ouais, comme tu dis, Rizjack, pas cool. Parce que là, j'hésite carrément à retirer le jingle de follow. Hop. Allez, tu dégages. Voilà. Hop, voilà. Donc là, déjà... Les alertes de Streamlabs. Ah non, j'ai encore le son. J'ai encore le son. C'est quoi ce bazar? Si je me mets comme ça pour le moment, j'ai la chatbox. Non, les alertes, ça dégage. Là, hop, désolé, je me suis trompé de bouton. Je sais pas si une fois qu'il est... Oh, punaise. Oh là là. Ce que je vais peut-être faire, c'est couper... Alors, la chatbox, je pense pas que ce soit ça qui... Ah là là. Si jamais, je coupe carrément l'audio du bureau. Alors, normalement, vous m'entendez, mais vous n'avez plus la musique. Moi, je l'ai toujours. Est-ce que vous avez encore eu le petit jingle, là, ou pas? Est-ce que vous avez eu le jean? Non, c'est ok. Bon. Alors si maintenant... Ouais, quel succès, comme tu dis, Azram. Oui, oui, quel succès. Mais ouais, c'est assez fou parce que là, du coup, je suis passé de genre même pas 500 followers à plus de 700. Donc là, en un instant, il m'a fait 150 follows. C'est bien gentil, mais ça aide pas, quoi, en fait. Alors, je sais pas qui est en train de me flouder comme ça. Ouais, c'est reparti. Je suis presque en train d'envisager de couper pour redémarrer le stream, en fait. Mais ça m'ennuierait beaucoup. Salut, Alex, de retour. Eh ben, en fait, je me fais... Je subis un flood de follow, de bots. Et du coup, le chat est inondé de Streamlabs qui dit merci pour le follow. Ouais, c'est embêtant. Alors moi, du coup, j'ai encore le jingle dans les oreilles. Mais par contre, je vous ai coupé la musique. Ouais, alors... Comment est-ce qu'on va...
Alex de retour qui lui lâche un vrai follow. Alors du coup, il n'y aura pas forcément le jingle qui apparaîtra normalement, qui est censé apparaître genre là-haut. Mais du coup, merci pour le follow, Alex de retour. C'est très gentil à toi. Voilà. Toi, comme tu es un vrai follow, tu as droit à un vrai cœur avec les doigts. Comme je fais pour les gens qui me follow pour de vrai. Et qui ne sont pas des bots. Bon, alors, est-ce qu'on va encore se manger une nouvelle vague? Pop-pop-pop-pom. C'est ça, Xavier, tu arrives et il y a une attaque de bots qui me follow en masse, là, comme ça. Je suis passé à 800 followers, alors que j'en avais même pas 400. Du coup, ça pourrit le chat, mais alors méchamment, comme vous pouvez le voir là-haut. Pardon, j'ai bu, je bois beaucoup d'eau en plus. Et du coup, ça fait que ben, j'ai un peu du mal à voir vos messages, d'une part. D'autre part, ça affiche plein de trucs. Moi, je me prends le jingle des alertes. Je vais peut-être aller directement sur Streamlabs et peut-être me carrément couper Streamlabs. En tout cas, les services Streamlabs. Parce que ça devient. Xavier, tu croyais que j'avais repris le projet Mirai? Non, 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 non. Le projet Mirai est normalement terminé, hein. Hop. Alors, est-ce que j'ai pop 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 pom. Alors, ce que je vais faire carrément, je pense. Ah ouais, shut down source when non visible. Allez, hop, comme ça. Ok. Voilà. Et là, est-ce que je vais la voir à nouveau? Ah! Voilà, je remets la musique. Au moins, on a récupéré la musique. En fait, il y a une petite option à la con dans OBS qui dit que quand on masque une source, on peut enlever le son. Voilà, je n'ai plus les alertes. Je n'aurai plus d'alerte sonore, mais au moins. En fait, quand la source n'est pas visible, elle est shutdown. Voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille. Enfin, on est tranquille sur le son. Parce que moi, comme ça, j'aurais pas les jingles dans la tête pendant tout le stream. Maintenant, comment est-ce que je retire les alertes du chat? Alors, je fais ça en direct, j'espère que ça vous embête pas trop. Hop, on va retirer les alertes des follow. Hop, voilà. Salut à toi, Fabous78. Voilà, ça y est, hop, save settings. Voilà, donc maintenant il n'y aura plus d'alerte pour les follow, faudra que je fasse gaffe. Faudra que je fasse gaffe, mais normalement j'ai l'activity feed pas très loin. Salut à toi, Rancune! Mais au moins. Alors je sais pas exactement quel est l'intérêt du follow bot, RizJack. Je serais pas surpris que, en gros, l'idée c'est de. C'est que quand on crée des. Enfin, je suppose hein, que le principe, c'est. Ah bah non, tiens, les alertes sont encore là. Bah, je vais carrément virer Streamlabs du. Pourtant, je pensais avoir sauvé les settings et dire disable quand il y a un follow. Ouais, c'est coriace, comme tu le dis, Alex de retour. Ouais, alors l'intérêt, si ça se trouve, c'est que c'est pour augmenter la qualité des bots hein, quand on veut faire vraiment du hate spam. Ouais. Alors je pensais pas déjà être célèbre au point d'avoir du hate spam, pour être honnête. Est-ce qu'il y a moyen carrément que j'envoie bouler le
le Streamlabs bot. Est-ce qu'il y a moyen de lui dire au revoir? Comment ça se configure tout ça? Cloudbot. Non, on va pas. Alors, on va pas coder un bot en live. Hop là. Salut à toi, Yoda. Mais j'aimerais bien. Alors, est-ce qu'il y aurait pas un truc du genre. Pouf, pouf, pouf. Ah, un killer bot, tu voudrais. Ouais, bah, à mon avis. En fait, le principe, ça va surtout être qu'il faut que je dégage Streamlabs, en fait. C'est le genre de truc, ça a l'air très facile à mettre en place sur, sur un stream. Mais alors, comment... Comment... Comment on l'enlève? Alors, settings, connections, il y aurait moyen de le... Ouais, parce que là, je suis passé à 1000 followers. Enfin, c'est du n'importe quoi. Il m'a fait doubler mon nombre de followers en un instant. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors, a priori, il y aurait des settings quelque part. Pouf, pouf, pouf. Alors, chatbot, chatbot. Je vois des gens qui jouent avec les bots. Ouais, exactement. Alors... La bonne époque d'IRC. Ouais, effectivement. Effectivement, la bonne époque d'IRC. Alors moi, j'ai pas connu cette époque où, genre, il n'y avait pas de... on pouvait pas register les chans et il fallait garder un bot pour éviter les... comment dire, les tentatives de genre de coup d'état, de putsch, de canal. Pouf, pouf, pouf. Oui, tout à fait, Xavier. Le chat... ouais, les takeovers, c'est ça. Les takeovers, exactement. Alors... Pouf, 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 pouf. Non plus. Alors. Alors, viens voir ça. Est-ce que je peux désactiver un truc là-dedans? Non. Cloudbot. Ah, en fait, il faudrait que je le désactive carrément comme ça. Voilà. Est-ce que le Streamlabs est toujours là? Bon, on va voir s'il y a une prochaine vague. On va rester quelques instants tranquillement. Alors, pendant ce temps, moi, je vais peut-être reprendre pour voir. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Et puis après, alors, donc en gros, l'idée, c'est juste de rajouter sur toutes les machines Docker en ajoutant le repo. Hein. On va pas se prendre la tête, on va faire ça à grand coup de copier-coller. J'ai pas forcément pensé à installer Cluster SSH. Donc là, on est sur le node 0. Et ben, on va faire ça vite fait.
sur les autres nodes. Hop. Si je fais ça, il se passe comment? Alors forcément, il me dit, au fait, tu vas comme copier-coller des commandes avec du sudo. Fais gaffe, c'est dangereux. Alors, est-ce que ça passe si je fais ça? Ouais, il a l'air d'être content. Allez. Hop. Donc là, node 0, node 1, il s'installe. Oui, donc, si ça se trouve, comme disait Dashi, soit c'est du hate follow juste pour me casser les pieds à moi, soit ce que je me disais comme option, c'est que si ça se trouve, de la même façon qu'il y a des gens qui achètent des followers sur différents réseaux sociaux, il y a peut-être des gens qui achètent des followers sur Twitch, et de la même façon que sur d'autres réseaux sociaux, on veut que les followers aient l'air vrais, et ben peut-être que là, en fait, tous ces bots-là se mettent à suivre des gens plus ou moins, de façon plus ou moins random, pour tout simplement dire, au fait, pour augmenter quelque part la qualité du faux utilisateur. Donc je suis peut-être juste une victime collatérale aussi. Hein. Donc, 5, 6, c'est bon, 7, 1, 8, nickel. Donc maintenant que j'ai mon installation, on va repartir sur la partie K3S. Alors, qu'est-ce que j'avais fait du lien pour K3S? Je l'ai normalement quelque part dans les anciens liens du live, hein, bien entendu. Copy link, hop, on va voir par là toi. Poupoum. Ah non, remarque, on peut créer le cluster Kubernetes directement depuis Rancher, c'était ça Azram dans ta doc? Cluster Cube depuis Rancher. Ok, d'accord. Donc on va directement installer Rancher. Ok. Et ben je vais faire ça sur le node de, sur le node 3, tiens. 6, node 2, node 3. Puisque 0, 1 et 2 vont être les nodes K3S. Bon, la 4G, 5G dans le train, c'est pas encore ça. Hey, moi je trouve déjà super que tu arrives à suivre. Donc, mine de rien, l'accès data dans le train, c'est déjà pas mal. Alors. Hop. Allons-y. Rancher.com, la documentation qui dit installer sur un single node avec Docker. Ok. Donc. Donc. Hop. Avant de démarrer ça, petite astuce fournie gracieusement par Azram, qui nous dit, au fait, il y a des erreurs quand on lance le truc comme ça. Et en fait, il faut d'abord aller dans le etc default grub, et cette ligne-là, la grub cmdline Linux, on va aller rajouter des configs qui ont lieu à voir avec les cgroups. Alors, je ne sais pas encore exactement à quoi ça correspond, ces lignes-là. Je pense que ça pourrait valoir le coup, un de ces quatre, de se documenter. Alors pour l'instant je suis un peu en mode de copier-coller bête et méchant, mais donc en gros je suspecte que au vu des options, c'est que en gros la manière dont sont configurés les cgroups sous Fedora est probablement un peu plus, ça serre un peu la vis, j'ai envie de dire, si ça se trouve, c'est configuré de façon à ce que SE Linux aussi soit en mode, voilà, renforcer ce genre de choses-là. Je pense que c'est des configurations type hardening, en fait. Azram qui nous dit, je pense que l'erreur est liée à des versions trop récentes de certaines lib, parce que, a priori, en repartant sur des anciennes versions, ça solutionnerait le problème des gens. Ah! Donc si ça se trouve, en fait, c'est parce qu'en utilisant une Fedora dernière version, ouais, on,
On est trop dans le turfu. Moralité, j'aurais peut-être dû installer Debian stable. Et ensuite, bien entendu, un petit grub de mkconfig. Hop. Parce que, donc, on a la... Voilà, on régénère notre grub. Ah si, il y a quand même quelqu'un qui a... Il y a quand même quelqu'un qui a percuté. Il y a quelqu'un qui a percuté ma petite... Donc Yoda qui nous dit hein, cette balle perdue, oui c'était complètement gratuit et méchant. Mais l'idée de hardening pourrait aussi être cohérente. Bah si ça se trouve oui c'est lié. Hein. Donc bah, on va rebooter le Note 3 hein, vu qu'on a appliqué des nouveaux paramètres à Grub. Hop là. Tu veux bouder? Oh boude pas Yoda. Reviens Yoda, c'était pour rire. Alors, est-ce qu'il reboot très vite ou est-ce qu'il faut patienter? Bon, pendant qu'on patiente, hop, il est déjà là. Systemd, OMD, what? Hop. Trigger limited, refusing forever activation, what? C'est quoi cette blague? Attends, le truc, il a 8 gigs de RAM et il commence à me casser les pieds avec Systemd ou OMD. Ok, là, c'est bon. Hop. Cette erreur, t'as pas réussi à la corriger. De quoi? Avec Systemd ou OMD? Fais comme si tu n'avais rien vu. Bon, c'est pas grave. Où est-ce que j'en étais, moi? Oui, je voulais installer Rancher. Donc, a priori, maintenant, pour installer Rancher, il suffit de suivre la doc. Hop. Donc... Installer Rancher sur un simple nœud en utilisant Docker. Ok. Donc les requirements, provision, ok, SSL, option. Alors, for security purposes, SSL, ok. Ouais, ben en fait, on va utiliser les trucs par défaut parce que de toute façon, tout étant naté, double naté et machin chose, je me vois mal utiliser Let's Encrypt en fait. Donc, option A, et ben, y a juste à se loguer sur le host et docker run -d comme ça. Donc, faudrait peut-être le faire sur toutes les machines en fait. Le truc avec grub. Nope. Bon, bah allez, hop. On va lancer ça comme ça. Déjà, je vais le lancer là-dessus, on va voir si on arrive à avoir le Rancher. Ah bah oui, forcément. Bah, pourtant, sudo, non? Non? Ah, j'avais pas mis de sudo, effectivement. Hop, allez. Unable to find image. Bah vas-y, va récupérer l'image Rancher, c'est justement ce que je te demande. Le Rancher sur une seule. Ok, donc a priori, le grub, il y a juste à le toucher sur la machine Rancher. Ok, c'est fait. Ah, le grub, tu l'as fait sur toutes les machines. Bah écoute, tu sais quoi, on va tester, puis on verra bien. Si jamais on a le petit message d'erreur qui va bien, on remodifiera ça. Alors. Bon, a priori, les bots se sont calmés. Ça, c'est plutôt rassurant. Je pense que... Ils ont dû comprendre que ça servait à rien au bout d'un moment. Donc, j'ai mon petit... Donc, du coup, si je fais un petit sudo docker ps... J'ai mon petit conteneur rancher qui tourne. Ok, c'est cool. Est-ce que j'ai un autre truc à faire au niveau de leur truc? Non, c'est selon les options. D'accord, donc a priori, il n'y a pas à s'embêter plus. Ok, c'est cool. Donc, j'ai un conteneur qui tourne. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il fait. Il y a de quoi s'amuser sur le port 443, a priori. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que,
Alors là où ça va devenir comique, c'est que moi, je me suis connecté avec un proxy jump. Donc si je tente un truc du genre, il y a un souci. Alors, ah oui, Yoda qui dit qu'il faut modifier la conce de, ouais, pour faire cube branch. Ah oui. Note request lequel. Ah zut. Zut zut zut. Donc si je fais un petit. Ah bah oui, forcément, je suis sur ma machine. Hop. Non plus, c'est pas le bon mot. C'est pas le bon. Hop. Voilà. Et donc si je fais un petit 127.001 sur le 8443, est-ce que ça passe? Note secure. Ok. Accept. Ouais, ok, j'ai un truc. J'ai un truc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici. Quand j'ai dit ici, c'est que je voulais vous montrer ici. Et donc, je fais ça. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? En gros, je me suis reconnecté, moi, à ma petite VM là, qui a son rancher. Et je me suis connecté en faisant un petit tunnel, un petit port forward au niveau de SSH. Et je lui dis, hey, au fait, la cible. Sur son port 443, bah tu me le mets moi sur mon port local en 8443. Hop. J'aurais aussi pu essayer de faire des choses au niveau routage, mais comment dire? J'ai pas préparé assez tôt le stream. Donc c'est la première fois que vous avez Rancher. Si vous avez fait votre. Ah bah non. Alors, du coup, dans le Docker PS. Ah, on peut aller récupérer le password. Donc là, j'ai mon ID de conteneur. Et donc ensuite, click to copy. Et donc ensuite, il faut que je le remplace à ce niveau-là. Hop là. Donc a priori, je peux aller checker les logs comme ça et j'ai un grep du bootstrap password. Ah ouais, alors le bootstrap password, ils rigolent pas, hein, les mecs chez Rancher, hein. C'est d'habitude, c'est ça, hein? Et puis chez Rancher, ils ont fait oups là, comme ça. Enlarge your password. Ça doit être leur nouveau slogan chez Rancher. Donc, eh ben, il n'y a plus qu'à le copier-coller là. Hop. Et je me log. Ok. Use randomly set specific password. Je vais être horrible, hein. Je vais mettre password comme mot de passe. Comme vous le savez, c'est mon mot de passe préféré quand je fais des labs. What URL should be used? All the nodes in your cluster will need to be able to reach this. Nope, pas ça. Pas ça. On fait du système, pas de la sécurité ici. Ouais, c'est. Ça dépend des jours, ça dépend des jours, mais là en l'occurrence, vu que c'est du lab, voilà, hein, OSEF. Hop, alors. 2.443, hop. Et non, on va pas aller prendre des statistiques anonymes, parce que bon, de toute façon, à mon avis. Password must be. Ok. Password Rancher, hop, avec un salaire. Voilà. Après, il va me dire, hey, au fait, il faut mettre des chiffres et des lettres. Saved, password must be. Ah, voilà. Avancer. Hop. C'est fou ces outils qui prennent un minimum soin de la sécu et des mots de passe. Bah c'est une bonne chose. C'est une excellente chose. Non franchement blague à part c'est bien. C'est bien. Moi j'aurais été à leur place, j'aurais peut-être même proposé de mettre 16 ou 20 caractères. Hein. Mais pour l'anecdote, je sais pas si j'en avais déjà parlé en stream. Une fois, c'était pour accéder à un compte sur un site pour une histoire de carte de fidélité à la con, bah, bref, peu importe.
Et donc je crée mon compte sur le site. Et donc je mets dans un premier temps un mot de passe un peu con, pas très long. Genre, genre voilà, 8 à 12 caractères quoi. Et puis ensuite, une fois que le compte est créé, je me dis bon bah je vais mettre un mot de passe un petit peu plus, on va dire, conséquent. Et genre, je mets un mot de passe à, je sais plus, 16 ou 20 caractères, mais vous savez, le genre de truc random qu'on rentre dans une base de mots de passe, quoi. Et donc, je le rajoute, enfin, je change le mot de passe. Le site me dit, ouais, ok, c'est cool, t'as changé ton mot de passe avec succès, merci. Et le truc que je fais systématiquement, ou presque systématiquement, quand je change le mot de passe sur un site, c'est que je me déconnecte, et je me reconnecte avec le nouveau mot de passe, histoire de vérifier que j'ai bien gardé le truc. Et là, le site me fait nope, 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 mot de passe invalide. Et je fais comme ça 3-4 fois des restaurations de compte en, genre, en mode mot de passe perdu, parce que bah, je venais de copier-coller, enfin, je vérifie vraiment. Je fais genre, vraiment, mais... et au bout d'un moment, je commence à me dire, bon, c'est bizarre, je vais réduire le nombre de caractères dans le mot de passe. Et en fait, je me suis rendu compte que le site en question, dont je tairai le nom, hein, il prend en compte les 12 premiers caractères uniquement. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, je sais plus comment je... Au fur et à mesure d'essai, je me rends compte que mon mot de passe de 16 à 20 caractères, en fait, si je tape que les 12 premiers, ça passe. Mais si je tape le mot de passe en entier, bah ça passe plus. C'est qu'en gros, à un moment, il tronque au niveau de la création du mot de passe. Sauf que le site, pour se connecter, quand il vérifie le mot de passe, lui, il tronque pas. Je sais pas si ça a été corrigé depuis sur ce site. Je suis même pas sûr que je leur avais fait si je leur avais remonté le truc. Je crois pas, parce que je me suis dit, bah, pff, ils vont m'envoyer bouler. Ils vont se dire, non mais c'est quoi ce fou furieux qui met des mots de passe de 20 caractères. Mais toujours est-il que... il y avait, voilà, il y avait même pas d'erreur. C'est probable, Yoda BZH, password varchar 12, ouais, probable. Salut à toi, Kinofool. Bah, visiblement, ma petite histoire t'amuse, bah, tant mieux, c'est cool. Au moins, ça en fait rire. Hop. Alors, donc, welcome to Rancher. Bah, merci. Pop, 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 pop. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir aller dans la suite. Explore Cluster, local, ouais, ok. C'est cool. User Authentication, Global Settings. Ah, ok. D'accord. Jusque-là, bon, on a une interface web. Explore Cluster, local. Donc là, il va me dire, t'as un cluster avec une seule machine, avec une... Ah, d'accord, voilà. On a 319 ressources, 5 déploiements. Donc, en gros, Rancher... Il a rien montré, non? Cron job, rien du tout. Alors attends, cluster. Voilà. Là, il me dit 5 déploiements. Je clique dessus. Que dalle. Ok, soit. Azram, qui dit la commande acheter password faisait un peu ça il y a longtemps. Quand elle était utilisée basiquement, elle prenait en compte que les 8 premiers caractères pour générer le hash du mot de passe. Ah, oui. Bah, j'avais entendu parler de trucs similaires où effectivement il coupait au bout de X caractères, mais comment dire, il coupait non seulement à la création du mot de passe, mais il coupait aussi lorsque tu te loguais. Donc quand tu tapais les 8 premiers caractères de ton mot de passe correctement et qu'à la suite tu mettais rien du tout, il, de toute façon il squeezait aussi. Donc bon. Donc qu'est-ce qu'on a? Là on a des events, ok. Je découvre un petit peu le truc, hein. Storage, persistent volume. Ok, config maps. Ouais, bon, ok. More resources, fleet transfer, ok. Mais en attendant, sur le cluster, provider, version de Kubernetes, ok, installer le monitoring. Oh. On va peut-être pouvoir s'amuser. Donc pour le moment, en termes... Donc j'ai 9 pods, ok. Je sais pas où est-ce qu'il a sorti ces 9 pods, mais... alors, j'ai un nœud, ok, qui s'appelle localNode. Edit config, machin, ok. Ok, et là-dedans, j'ai des trucs. J'ai des pods.
Et j'ai plein de pods qui tournent. Ok. Je suppose que les pods, c'est des conteneurs. Tout en haut, tu as un menu déroulant avec les namespaces. Tout en haut, j'ai un menu déroulant avec les... Ah oui, only user namespace. All namespace. Ok. Donc ça va être pour ça que je voyais rien tout à l'heure. Donc si je reviens sur le Explore Cluster, là, et que je vais dans les deployments... Ah, voilà, là, j'ai des trucs. Ok. Merci, Azram. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ok, donc ça a l'air amusant tout ça. Running, ok. Bon, alors on va continuer la suite. Hein. Eh ben écoute, merci d'être passé Azram et merci d'ailleurs pour tout le déroulé à suivre. Eh ben amuse-toi bien aussi. Je te souhaite une bonne fin de trajet. Alors. On va créer notre cluster maintenant. Alors, l'interface Rancher, ok. Une fois que l'accès est possible, il faut créer un cluster. Donc, il faut aller dans le menu en haut à gauche, dans la section Global Apps. Hop. Global Apps et Cluster Management. Ok, ça c'est cool. Et donc, on peut créer un nouveau cluster. Hop. Alors, et ensuite, on crée sur le bouton Create. Ouais. Et dans la fenêtre, on peut... Alors, il faut penser à passer en RKE2... RK3S, ok, voilà. Et ensuite, ah oui, d'accord, on peut carrément depuis un node local Rancher gérer un cluster en remote sur Amazon, sur Azure ou ailleurs. Ok, c'est classe. Mais nous, a priori, on va faire custom. Et donc ensuite, dans l'écran, on va indiquer le nom de notre cluster qu'on va appeler. AHP cluster. Hein. Je vais peut-être zoomer un peu au niveau de la... Hop, voilà. Comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Ensuite, version de Kubernetes. Ouais, bon, on va rester sur des trucs... peut-être qu'on va mettre un truc du genre 4.3S parce que... RKE2. Alors, qu'est-ce qu'il me disait le Azram dans son truc? Alors, il faut indiquer le nom du cluster, la version à utiliser, le driver réseau, etc. En dehors du nom du cluster, il est préférable de laisser les valeurs par défaut. Une fois les champs remplis, on crée sur create. Bon, bah ok, dans ce cas-là, on va laisser les trucs... on va laisser les trucs par défaut. Bien, bien, bien. Et ben, créer. Alors, cluster provisioning... AHP cluster invalide lowercase. Ah d'accord. Bon, on va faire AHP cluster tout en minuscule. Hein. Ah non tiens allez. Another home on va dire another home cube. Hop voilà. Cube cluster. Soyons fous. Allez create. Creating. Ok. Donc là il nous fait des choses. Je ne sais pas trop quoi. Alors, distribution sécurisée. Ok. Donc, a priori, il va falloir que j'aille sur toutes les machines sur lesquelles je veux déployer le cluster. Il va falloir que je copie ça. Et bien entendu, il faut cliquer sur Insecure parce que tous mes worker nodes, ils n'ont pas forcément le certificat vu qu'on a dit qu'on faisait tout en auto-signé. Alors, node 0. Allez, c'est parti. Bim. Alors j'aurais peut-être dû lancer ça en tant que route, mais a priori, il a le sudo dedans. Donc tout est bon. Tout va bien. Donc là, a priori, il en a un. Hop, allons-y. En voilà un deuxième. Node 1, node 2. Voilà. Ah, il a même un agent système Rancher. Ok. Donc maintenant que ça c'est fait, step 2. Run this command in une PowerShell. Non, juste non. The cluster must be up and running with Linux etcd control. Ouais, ok. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, il va falloir configurer un des serveurs comme pilote. Bah ce sera le node 0. Du cluster Kubernetes, c'est les 3. Ok. Donc.
Ah, ok. Donc j'aurais peut-être dû en fait. Ok, pour le pilote, il faut décrocher la case. Ah, ok. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. Hein. À mon avis, il doit pas être content, mais c'est pas grave. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit par là? Il nous dit qu'il y a eu un souci. Ok, related resources unavailable. Alors, je vois pas trop le node là. Alors, je vais peut-être refaire au niveau du registration. Je vais juste, hop, voilà, on va enlever ça. On va copier, on va retourner sur le node 0. Node 0, et on va coller ça. Ça se trouve, il va Ok. Alors, si tout se passe bien, après quelques minutes, dans l'onglet machine. On a un onglet machine. Ici, tout ce qui monte doit être en running en fait. Alors, pourquoi il me dit waiting? Donc il va falloir attendre en fait. Updating. Est-ce que j'ai pas un petit refresh quelque part? Nope. Hop. Alors, je vais vous demander un petit instant, je vais disparaître. Et me revoici, me revoilà. Alors, je remarque d'ailleurs, en regardant un peu le chat, qu'il y a Ferdodo qui nous a rejoint et qui me suit. Merci beaucoup, Ferdodo. Alors, j'ai pas eu la notif parce que je me suis fait flood par des bots de follow. Donc, j'avais désactivé tout ça. Je vais réactiver ça. On va voir ce que ça donne. Si jamais, sur un malentendu, ça pourrait bien se passer. Hop, voilà. J'espère que ça ira mieux. Alors, pour le moment, on a quand même. On a un truc qui est en reconciling. Alors, on va peut-être aller jeter un œil au log. Qui nous dit? Il nous dit qu'il attend. Il nous dit qu'il attend. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Comment ça il. Attends, enabling. Starting. Ah, Ranger au lieu de Rancher. Ok. Active running. Ok. Ah, mince. Pop-pop-pop-pam. Donc, est-ce qu'il y aurait le même souci que... Voilà, c'est ça. Context deadline exceeded. Donc, c'est ça. C'est le même problème. Donc, il va falloir que j'aille m'occuper du grub. Si, je veux juste vérifier. Ah non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Waiting for server. Ça a pas l'air d'être la même chose. Bon, on va quand même aller toucher à Grub, si ça se trouve. C'est le même bazar à mettre en place. J'aurais dû le faire partout.
Voilà. Hop, et reboot. Salut à toi, Manon. Alors, il n'y a pas de souci. T'as échappé au pire, en fait, Manon. Donc t'inquiète pas. T'as loupé Azram. Ouais, bon, effectivement. Là, par contre, t'as loupé Azram. Ça, c'est... Oui, tu as échappé au pire parce que, en fait, on a eu une petite avalanche de bot followers. Je suis passé de moins de 500 follow et à plus de 1000. Et du coup, en fait, ça m'a complètement... Ça m'a... Comment dire? On s'est retrouvé avec le chat qui était complètement inondé. Il a fallu que j'aille tout désactiver au niveau du chatbot Streamlabs. C'était un cauchemar. Hop. Alors. Je sais plus où j'en suis dans mes fenêtres. Donc note 0, on est bon. Une vengeance d'un ennemi, peut-être. Ou alors quelqu'un qui veut améliorer la qualité de ses bots en leur faisant follow des gens. Je ne sais pas exactement, mais on verra bien. Alors, je vais recommencer du coup. Registration. Alors, donc j'ai pas le worker. Kill to copy, copied. Ok. Note 0. Allez. Bah non, je veux pas copier ça. Je veux copier ça. Voilà. Alors, pendant ce temps, de mon côté, je vais regarder un petit peu la température de mon lab. Parce qu'il fait chaud quand même. 49 degrés sur le chipset. Et on est un peu au-delà de 55 sur les CPU. Bon, ça va. Hop là, alors. Et ensuite, avec le worker, hop, copier. Mais non. Hop. Et le 6. Hop. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher cette fois-ci ou est-ce qu'il va falloir que je trash les VM pour les recréer? Alors. Alors, fail to execute, tu assures lequel. Oula. Donc là, il nous fail encore des choses. Je vais finir par penser que effectivement, je vais devoir dézinguer la machine et la recréer. Alors, qu'est-ce qu'il me disait? Oh punaise. Alors, this is an unclean termination of a previous run or service implement. Oh là. Alors, ce que je vais faire, ouais, je vais pas me prendre le chou. On va aller sur libvirt. Je vais dire note 0, rip. Hop. Allez, hop, dégage. Voilà. Et ensuite, on va revenir hop, ici. Là, on est bon. Il n'y a plus de note 0. Je vais revenir ici. Et terraform plan. Juste m'assurer que voilà, donc il me met que une machine. Oh bah, de toute façon, c'est écrit ici. Hop, allez. Puis on va voir si après il faudra que je redétruise et que je recrée les. Et c'est pour cette raison que j'ai créé ce petit bout de conf Terraform là, ManyNodes. C'est justement pour ce genre de cas de figure, parce que je sais pas si vous vous souvenez dans des streams précédents, à chaque fois que j'avais des soucis, c'était un peu la croix et la bannière. Alors, dans le meilleur des cas, j'avais un kickstart,
ou un Precid pour les machines Debian. Ou alors je pensais à faire un clone de la VM, mais... Alors du coup, lui, il a changé d'IP, Note 0. Hop, alors... Alors, il en est où? Activating. Donc, il n'a pas fini le Cloud Init. Pendant ce temps, est-ce que je peux peut-être lancer l'installation de Docker? Ça pourrait être une idée, non? A priori, mon sudo est bon. Remarque s'il a peut-être encore des packages en cours d'install. Il en est où? Ah, il est encore en train d'installer des packages. Alors, maintenant que mon nœud est prêt, hop, allons-y. Docker. Et tiens, j'aurais peut-être pu me faire une deuxième. Si, je vais me faire une deuxième connexion. Hop. Donc c'est lui. Voilà. Comme ça, au moins, on gagne un petit peu de temps. Alors certes, ce qui pourrait être encore mieux, c'est que je fasse une copie. Mais ça devrait bien se passer. Hein, je vais être optimiste. Ok, allez. Sudo reboot. Et j'espère que cette fois-ci, on aura ce qu'il faut. Donc, normalement, si je reviens ici, je vais carrément enlever les... je vais toutes les enlever. Voilà. Et on va recommencer. Registration. Hop. Je copie ça. Nickel. Donc, jusque-là, ça devrait être pas mal. Là, si je viens ici, pending reconciling. Ok. Ok, donc là il est en train de faire des trucs, c'est cool. Et au niveau des provisioning logs, où est-ce qu'on en est? Waiting for probes, ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter tout de suite pour aller désinguer mes nodes 1 et 2. Hop, node 1 et node 2.
Et on va leur faire subir le même sort. Voilà. Je reviens ici. Donc là, les notes 2, ok. Node 1 et 2. Poupoupoupoum. Eh, mais c'est qu'il en bouffe de la mémoire, le Node 3. Hein. C'est sur lui qui a Ranchard installé. Il se gave, hein, il se fait plaisir. C'est nom nom nom, plan de RAM. Nom nom nom. Remarquez, c'est là pour ça. Hein. Hop, 2, Node 3. Ce sera plus joli si je vous mets H-top. Hop, voilà. Peut-être pas tant que ça en fait. Allons-y. Il en est où lui? Alors, node 1, finalement tu t'appelles 4248. Ah bah. Ah, il était pas loin. Voilà. On va lui balancer l'installation de Docker. Remarquez, on va aller plus vite. Je vais faire etc default grub. Ça, ça va aller plus vite. Hop. On va d'abord lui faire le grub. Voilà. Voilà. Et ensuite, j'envoie tout ça. Et je peux m'occuper de la machine suivante. Il faut déjà que je récupère son IP. C'est 107 cette fois-ci. Et on va faire pareil. On va aller d'abord modifier la conf grub. Alors, docteur, ça plante où? Bah, Azram, comme tu l'avais très certainement prédit, comme je n'ai pas mis grub partout. Je n'ai pas mis à jour la conf grub partout, fatalement, ça pose quelques soucis. Hop, alors. Ensuite, est-ce que pendant ce temps, mon node 0, lui, il a fini par s'enregistrer? Il est toujours en reconciling, ça fait 4 minutes qu'il est là. Waiting for cluster agent to connect. Ok, donc on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans les logs, je pense. Alors la question c'est est-ce qu'il me fait des choses dans Varlog. Voilà, hop, ça c'est juste pour qu'il me... Maintenant oui, c'est juste que j'ai dû recréer les trois premiers nodes avec un grub modifié. Salut à toi Cookie, bienvenue sur le live. Alors, il y a un k8test.go qui traîne. Teardown, problème, ok. Waiting for cluster agent to connect. Alors, Cookie, on est en train d'essayer de mettre en place un cluster Kubernetes avec K3S et Rancher. Donc, on essaye de faire joujou avec plusieurs machines virtuelles pour installer plein de conteneurs dessus
et espérer faire en sorte que tout ça, ça fonctionne. Alors, je sais pas à quel point tout ça c'est du tu es à l'aise avec tout ce vocabulaire. S'il y a des trucs qui te semblent un peu abscons, n'hésite pas. Ouais, alors avec la version RKE1, je voyais bien les conteneurs pour Rancher. Avec RKE2, tu ne les voyais plus. Tu as compris, conteneur et machine virtuelle. C'est déjà pas mal, bravo. Et ben en gros, en fait, Kubernetes te permet de faire de l'orchestration de tes conteneurs. K3S, c'est une implémentation de Kubernetes. Plutôt de déploiement de conteneurs. Donc j'ai des VM sur lesquelles je veux déployer et orchestrer des conteneurs. Donc on a installé Docker, et en gros, K3S doit permettre d'orchestrer tout ça, et Rancher doit nous permettre d'avoir une jolie interface. Et là, pour l'instant, en fait, à partir de l'interface Rancher, j'essaye de déployer du Kubernetes sur trois machines virtuelles. Mais pour le moment, ça n'a pas l'air d'être fonctionnel. Et Azram nous disait, parce que c'est Azram qui me donne un sacré coup de main sur le sujet, il nous disait donc que ça dépend aussi de la version... Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Est-ce que je l'ai mis en RKE machin ou en 2? Ah, j'ai pas cliqué sur l'insecure. Click-to-copy. Ah, on va recopier et on va refaire le truc sur note 0. Alors, je sais pas si ça veut dire que je vais de... Hop. Alors. Là. Alors, merci pour le follow, Huntfomation. Est-ce que ce serait pas un bot encore? Alors désolé si Huntfomation n'est pas un bot, mais vu qu'on s'est fait un peu harceler par des bots tout à l'heure, je préfère poser la question. Ouais, donc je suspecte qu'en fait je me suis encore trompé. Est-ce qu'il faudrait pas que je Ouais, bon, en fait, ah, il faut que je le delete ici. Voilà. Que je retourne dans l'enregistration. Je copie. Bientôt, il faudra prouver qu'on n'est pas un bot. Ouais, Manon, effectivement. Est-ce que cette fois-ci, ça se passe un peu mieux? Peut-être des chances que ce soit ça. HP Nils devra dire 2 plus 5 et nous on doit répondre 7 si on veut pas se faire ban. Oh, ça, ce serait quand même dommage d'en arriver à ce genre de choses. Hein. Franchement, ce serait dommage. En même temps, au lieu de mettre des followers only... ou quoi, il devrait pouvoir y mettre un captcha, ce serait plus simple. Oui, un captcha, c'est effectivement une idée. Rancune qui est en mode quoi, ça fait 7. Alors, Azram qui dit qu'il avait cru voir dans des docs que c'était le bordel quand tu as déjà fait tourner une première installation. Il y a du ménage à faire dans des dossiers sur le host pour pouvoir relancer des nouveaux nœuds. Ah! Tu veux dire que je vais du coup retracher la VM pour la recréer? Parce que... Ce sera juste la deuxième fois que je la trache dans ce cas-là. Mais ça se tente, hein. Tu ne dis rien. Ouais, tu te mouilles pas, Azram, hein. Tu te mouilles pas.
Remarquez, il vaut mieux boire l'eau hein, plutôt que de se mouiller. T'as l'impression de pouvoir... Non, 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 au contraire, Azram, attends, tu es là, tu parles, ce qui est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui regardent ou qui, si ça se trouve, laissent le stream en fond, ce qui me dérange pas en soi, hein. Mais du coup, ça, comment dire, ça fait de l'activité, c'est pas juste je blablate comme ça dans le vide. Donc, non, non, au contraire, tu es loin de pourrir les lives. Mais du coup, bah, je pense que je vais trasher la VM une deuxième fois. Mais le but de toute façon, ces lives-là, ça a jamais été de dire regardez, je suis super doué, je réussis tous mes trucs du premier coup. Au contraire, hein, hop, allez. Ta ta ta, c'est moi en envoyant les gens sur les mauvaises pistes. Oh, vous n'allez pas commencer à vous chamailler pour savoir quel est le pire des deux. Ah là là. Allez, on va penser d'ailleurs à aller supprimer. Hop. Ouais, mais tu files des docs qui marchent pas et toc. Pas besoin de chamailler, c'est moi. Oh là là. Bah moi je connais rien, alors bon, je vais éviter de donner des conseils. Non mais Cookie, tu peux aussi dire, ah bah tiens, je trouve ça bizarre. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Le pire, ce sont les streamers qui se laissent divertir par les viewers. Ah ouais, ouais, bon, alors. Je vais pas aller dire que Azram et Yoda me divertissent. Vertissent. Mais ils sont marrants 5 minutes. Souffle dedans et redémarre. Alors, Cookie, ouais, je souffle dedans. Alors pas pour redémarrer, mais carrément pour la recréer. Comme ça au moins. Hop, allez, c'est reparti. Alors, a priori, Cloudinit est encore en train de bosser. Ouais, visiblement, il y a encore, je pense qu'il y a encore du bot qui traîne. Et alors, je pense que... C'est bizarre, j'ai toujours pas le retour des alertes. Pourtant, les alertes, je les ai là. Cloudbot, alors, alert box. Test follow. Si c'est bon, le test follow marche. Ok, c'est bon. Hop là. Bonsoir, non, je ne suis pas un bot. Eh ben écoute, l'autre 29, c'est très gentil à toi de préciser que tu n'es pas un bot. Merci beaucoup pour le follow. J'espère que tu ne m'en voudras pas. C'est-à-dire qu'on a eu une horde de bot followers. Genre 550, je crois. Donc c'est assez marrant parce que du coup, j'ai un compte. J'ai un compte de followers qui est à 1096, alors que j'étais même pas à 500 avant le début du live. Alors ça fait bizarre. D'un côté, vous savez, ça satisfait l'ego pendant trois quarts de seconde, puis après on se souvient que c'est que des bots. Alors du coup, ça fait... Donc l'autre 29, encore merci pour ton follow sincère et humain. Sélectionne le fromage. Ah oui, c'est pas bête ça, Cookie. Sélectionner le fromage. Hop, cloud final terminé. Ok, ça c'est chouette. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est aller éditer etc default grub pour aller modifier la petite conf qui va bien. Hop là. Hop, MK config. Un follow sincère, c'est un abonné qui aime le vin. Ah, sincère. Ah, désolé Manon, mais alors sur les vins, je suis absolument pas connaisseur. Je suppose que sincère, c'est un cépage, c'est ça? Le sincère, c'est un vin. Ok. Pas mal, à côté de Bourges. Ok, je t'avoue que je suis vraiment pas
Je suis pas un habitué des cépages. Mais a priori, l'autre 29, lui est habitué, donc c'est valide. J'applaudis maintenant. C'est valide pour les amateurs de vin. Alors. Hop. Registration. Ah, là j'ai les alertes. Cool. Merci Manon d'avoir offert un sub gift à l'autre 29. Merci beaucoup ouais, pour l'abonnement cadeau. C'est très gentil. Hop là. Merci. Alors, ce qui est cool avec les subs, alors moi d'abord déjà, je ne saurais jamais être, enfin vous, je, comment dire, je reste toujours assez, ça me fait un plaisir monstre les subs, vous imaginez pas, je trouve ça toujours super chouette que quelqu'un ose me récompenser comme ça, je le vois vraiment comme une récompense pour tout ce que j'accomplis. Et en plus quand comme Manon vous faites du sub gift, alors là c'est juste merci, je suis pas digne. Je sais pas si tout le monde a la ref, si vous avez la ref n'hésitez pas à le dire, je me sentirai moins seul. Alors non, le on n'est pas digne, c'est pas Stargate, mais je pense que tu... Peut-être que Manon le fait exprès. Je voulais... ouais, exactement, faire dodo. Wayne's World, tout à fait, voilà. On n'est pas digne. Sur les subs, une fois que vous êtes sub, vous avez un petit avantage par rapport aux autres, c'est que vous avez accès à des petits emojis sympas, avec un petit mouton. Donc n'hésitez pas à en profiter. Ça aussi, ça me plaît beaucoup quand les gens profitent des emojis moutons. Alors, le worker, il est bon, le insecure... Enfin, le worker est désactivé, le insecure est activé. J'ai copié mon binu. Sudo reboot. Et normalement, le note 0 sera prêt. Voilà, exactement. Alors je vais éviter de mettre les lunettes de soleil, hein. Il fait un peu sombre. Puis elles sont un peu loin les lunettes de soleil. J'ai juste la douce brise du ventilateur. J'espère que vous n'entendez pas. A priori on m'a pas dit qu'on entendait le ventilateur, donc c'est plutôt bon signe. Ah, non, c'est pas là. Restart. On a loupé mon message. Alors, Cookie. Ah, on a loupé ton message. Mince alors. Il est où ton message? Toi, tu connais un peu de web, JS, TS et un peu de Python. Mais sinon, l'année pro, tu pars en cyber. Quasi, je dois apprendre toutes les bases réseau. Bah, c'est chouette. C'est chouette, ça, Cookie. Alors, déjà, pardon d'avoir loupé le message. Je vais peut-être, du coup, remonter, moi, mon truc pour que j'ai plus de backlog sur le chat. Hop, voilà. Et ensuite, JavaScript TS, je... Alors moi, tu vois, le web, comment dire, je suis tellement dans le sysadmin que, ouais, sorti du JavaScript. C'est peut-être TypeScript, je suppose. Mais ouais, TypeScript, ok. Mais c'est super classe, et puis en plus en cyber, il y a moyen que tu t'amuses. Les bases réseau, honnêtement, c'est... T'inquiète. Je t'avoue que j'ai... Cybercafé. Pas mal, Azram, pas mal. Attention Manon, hein, y a de la concurrence. On va le faire qu'une fois quand même, hop là. Mais ouais, il y a moyen que ce soit super, super cool, Cookie. Il y a des streamers qui font de la cyber, qui font notamment du CTF. Je sais pas si tu les regardes, je pense. Il y a Hacking Island, il y a Disnome qui font ça. Des gens très bien. Poum, 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 poum. Allons-y, machine. Donc là maintenant... 29 secondes, donc ça c'est bon. Waiting for probes. Donc on espère que cette fois-ci ça va passer.
Oui, Top Clean aussi, oui, Top Clean qui m'a raidé une fois ou deux. C'était très sympa à lui. Alors pour ce qui est de faire ce genre de choses, alors eux ils ont l'air d'être des professionnels dans le comment dire, dans le sujet. Moi j'ai fait un peu de cyber, mais plutôt en défensif. Mais je me demandais d'ailleurs si j'essaierais pas durant l'été de vous faire quelques streams en mode allez, je repars de zéro sur les CTF, les trucs comme ça. Parce que je suis une quiche, mais alors monumentale sur ces sujets-là. Et ça fait aussi partie des choses que j'aimerais sur lesquelles j'aimerais m'améliorer, monter en compétences. Chion Jiwang qui dit Top Clean, c'est un débutant. Bah écoute, y a pas de souci, il a le droit. Et en plus, là, le truc, il est en waiting for probes. Bon, on va espérer que ça se passe bien. Hop, le dev, c'est intéressant. Oh, bah oui, c'est ça qui est génial, je trouve, dans les domaines informatiques, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement large, on peut faire tellement de choses, que ce soit du développement, que ce soit back-end, front-end, web, si on veut, ou alors rester plus proche de la machine. Pourquoi pas du développement noyau, par exemple. On peut faire des trucs orientés beaucoup plus réseau, beaucoup plus système. On peut faire de l'administration système, de l'administration réseau. On peut faire du DevOps. Ouais, il y a plein de trucs à faire. On peut faire de la cybersécurité, que ce soit en défensif, en offensif. Voilà. Donc... tu dois faire aussi du dev en sécu, la sécu offre du challenge. Ah bah ça, pour du challenge, ouais, on en a. Ouais. Ouais. Bon, là, y a rien. Journal 7TL, moins... Ah oui, hop, manque un... Hein, c'était moins F, hop là. Run 4.3S, var, deactivity successfully, ok. Ah, suivi, alors, est-ce que si je vais par ici, waiting for probes, il a plus la même chose là, tout à l'heure il me faisait d'autres... Wait what? Il a installé WireGuard? Allez, d'accord, il fait des tunnels pour monter les... ok. Ça installe vraiment un paquet de choses, hein. C'est fou le nombre de briques qui sont impliquées dans tout ça, hein. Ah, fail to open system... No space. génial. Ah là là, ça partait si bien, ouais, Azram. Non. Ah là là. Aïe aïe aïe. Ok. C'est officiellement le stream de la loose. Mais c'est pas grave, on s'amuse. Enfin, moi, je m'amuse, en tout cas. Bien, donc, je manque de place sur la machine, parce que, visiblement, bah, installer tout ce bazar, ça prend de la place. Et salut à toi, LilStyle91, bienvenue sur le live. J'espère que tu as passé un bon week-end. Nous, on s'amuse là avec du Kubernetes et Rancher pour essayer d'installer un cluster 4.3S. Ouais, tu avais bien fait de mettre 30Go pour l'OS de base dans ta doc, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas eu le temps d'améliorer mon petit bout de Terraform pour avoir des disques plus conséquents.
Pop, 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 pom. Alors. Comment on va s'y prendre? Comment on va s'y prendre? Parce que là, en gros, si. Parce que là, soit je pars dans un truc de fou à genre essayer de redimensionner le fichier de disque de la machine virtuelle pour ensuite la démarrer sur une autre VM pour aller faire joujou avec redimensionner parce qu'en plus ça doit être du ButterFS en plus ce truc-là. Ouais, c'est du ButterFS donc je sais même pas comment redimensionner un volume ButterFS. Donc là, les possibilités que je vois, je vais me mettre comme ça parce que hop, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à voir. En gros, est-ce que j'ai... Alors, Cookie qui dit Python 3-R, pip install, requirements, 990 lignes dans le terminal. Ouais, c'est un peu... C'était un peu ça, ouais. Mais ouais, grosso modo, ouais, là, toutes les erreurs que j'ai, c'est en mode, au fait... J'ai plus de place. No space left on device. Voilà. Voilà. Donc, j'ai plus de place sur ma VM pour pouvoir terminer l'installation qui m'est réclamée par Rancher pour déployer mon cluster Kubernetes. Donc, ce qui peut se passer maintenant, c'est que je dézingue tout et je passe en mode développement Terraform. Pour faire en sorte que mes VM, lorsque je les déploie, elles aient un disque un petit peu plus conséquent. J'imagine qu'il n'est pas passé au vert dans la console Rancher du coup. C'est une excellente question, Azram. Je te montre ça. Hop, voili, voilou. Et comme tu peux le voir, non, le truc il est toujours en mode. Il n'y a rien du tout. Donc en gros, je suis en train de me dire que le plus, comment dire, la chose à faire, effectivement, si je veux que ce soit un peu plus tranquille pour le futur, c'est que je passe en mode, j'améliore mes petites formules Terraform pour avoir 10 gigas ou voire même plus. Toi, tu avais mis 30 pour les VM. Il y a moyen de moyenner peut-être de façon pas trop comment dire de façon à alors sauver le stream bon j'en doute mais faire un truc qui pourrait être utile et utilisable surtout pour le stream de dimanche prochain. C'est ce que je suis en train de me dire. Tiens, on va faire un petit sondage. Allez. New poll. Allez, et on va se faire 2 minutes de poll. Hop, voilà. Dites-moi dans le sondage si on se lance. Si on se lance dans une petite amélioration Terraform. Hop, j'ai mon code qui est là, qui est prêt, hein. Je peux aller modifier le stockage par ici. Alors pour le moment, ça a l'air bien parti. Hein. Il y en a qui ont l'air d'être chauds. Donc c'est plutôt rassurant. Moi, ça me fait vachement plaisir que vous soyez chauds. Enfin, comment dire? Le jeu de mots avec les températures actuelles est totalement involontaire. Je tiens à le préciser. L'autre 29 qui, pendant ce temps, nous dit que à notre époque, le dev est dans tous les domaines. C'est à toi de faire ton chemin. Oui. Je crois que je n'ai jamais autant fait de code. Même si ces temps-ci je fais beaucoup de Terraform,
ça m'amuse. J'ai l'impression d'avoir trouvé un nouveau jouet et je veux passer mon temps à jouer avec. Mais j'ai jamais fait autant de code que depuis ces 4 dernières années, on va dire. 4-5 dernières années. Alors, je veux pas influencer les résultats, mais je vois les résultats en direct avant la fin du sondage. Ça a l'air d'être plutôt... plutôt sympa. Hop, bon. Et bah, petit cluster, hein. Ce sera peut-être pas pour ce soir. Hop. C'est un peu dommage. Mais c'est... tu n'étais pas dev Linux dans le passé. Fabou, tu demandes à qui? Tu demandes à moi? Bien, bien, bien. Alors... Manage poll et view result. Et donc, roulement de tambour, vous êtes 7 à être partant pour que je continue sur du Terraform. Eh bah écoutez, allons-y, c'est parti. Alors, non, je n'ai jamais été développeur. Enfin, développeur. Comment dire? En termes de carrière ou de compétences. Je ne suis pas un développeur de formation. En revanche, j'ai le titre de développeur. Alors, pourquoi j'ai ce titre de développeur? Je l'ai, mais au sein d'un projet open source qui est NetBSD. Je vais en profiter, je vais vous montrer netbsd.org. Donc, je participe à ce projet et par défaut, en fait, quand on fait partie du projet, on a le titre de développeur. Si ça devait être un petit peu plus précis, j'aurais préféré qu'ils mettent packager par exemple, parce que techniquement c'est ce que j'ai fait pour le projet NetBSD. Mais effectivement, quand on va dans support community, non, c'est là, developers, voilà, vous pouvez me trouver normalement, voilà, je suis là, voilà. Et on voit bien que dans les trucs PKG SRC, voilà. De là à appeler ça du développement. Alors je vais pas dire que ces gens qui font du package source sont pas des développeurs, parce que bah il y en a qui patchent vraiment les logiciels à grands coups de patch C. Moi c'est pas mon cas. Généralement quand ça commence à devenir un peu trop compliqué au niveau patching, j'ai tendance à demander l'aide du projet upstream. Je t'en prie Fabou, ça me fait plaisir de préciser les choses. Manon qui précise que c'est comme les devs Debian, ils sont des packagers, je crois, tu appelles ça de l'intégration gestion de conf. Peut-être pas de la gestion de conf, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt autre chose qu'on appelle la gestion de conf, mais ouais, de l'intégration, c'est carrément de l'intégration. Enfin, moi j'appelle ça du packaging, de l'empaquetage en français, mais c'est une activité qui est quand même super, super intéressante. Moi je vous recommande d'essayer de faire au moins une fois dans votre vie un package pour une distribution Linux ou BSD, peu importe laquelle, c'est ultra instructif et vous vous rendez compte que c'est quand même un sacré boulot. Enfin, je veux pas me jeter des fleurs à moi parce que j'en fais pas beaucoup en ce moment, mais pour tous les gens qui font vraiment ça de façon régulière, voire même qui le font qui en font le plus clair de leur activité professionnelle, franchement ces gens là franchement merci à eux. Qu'est-ce que j'entends par package? Alors, ce que j'entends par package, c'est le fichier qui te permet d'installer un logiciel. En gros, par exemple, dans le cas d'une distrib Debian ou Ubuntu, ça va être le fichier .deb. Dans le cas d'une distrib Fedora, Red Hat, CentOS, ça va être le fichier .rpm. Alors il y a ça, mais effectivement côté Gentoo, c'est vrai que eux, comme c'est plutôt source, ce sera plutôt la recette pour pouvoir lancer ton Emerge pour installer ton programme. Alors, donc on est parti pour du Terraform a priori. Alors,
Petit rappel, donc, cette partie de Terraform, ça vient d'un projet que j'ai partagé il n'y a pas très longtemps sur GitHub, que j'avais linké en, en début de stream, que je vais vous relinker maintenant, d'ailleurs, parce qu'il y a un peu plus de monde. Hop. En gros, c'est que je me suis fait un petit, je me suis fait un petit, petit ensemble de fichiers Terraform pour pouvoir facilement déployer N machines virtuelles Linux dans un réseau personnalisé. Soit sur un hôte local, soit sur un hôte distant, qui fonctionne, lui, sous Linux et qui utilise KVM libvirt. Donc à partir de là, en fait, bah, j'utilise le provider libvirt pour Terraform et je peux spécifier en variable combien de nœuds je veux. Donc ce que j'ai fait juste avant le stream, c'est que je me suis dit, bah, je veux popper 5 nœuds. Donc j'ai mis 5. Combien de CPU virtuels on a par nœud? Donc j'en avais mis 4. Et quelle quantité de RAM? J'avais mis 8 Go. Et puis j'avais un subnet. Et en fait, du coup, ce que fait Terraform, c'est qu'il envoie l'ordre à la machine KVM libvirt, à libvirt, de dire, bah, créer un sous-réseau NAT avec cet adressage-là, et puis créer N machines virtuelles, donc dans mon cas, créer 5 machines virtuelles, avec chacune 4 vCPU et 8 Go de RAM. Sauf que au niveau du disque, j'ai fait YOLO, utilise la taille de l'image de base. Et donc en l'occurrence, Fedora 36, l'image de base fait 4 gigaoctets. Si je vais aller voir la documentation du provider libvirt pour Terraform, hop, qui va être là, et que je vais vous montrer ici. Alors, je crois que j'ai un peu loupé certains mots dans le... certains petits packages dans le... enfin, package. Certaines personnes dans le chat. Inch Black, salut à toi, bienvenue sur le live. L'autre qui répondait à Manon, je dirais oui, car les développeurs sont responsables de leur code, donc du package qui sort. Alors, attends. Poup, 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 poum, il répondait à Manon. Ah oui, comme les devs Debian. Ok. Manon qui du coup répond à Denkashi, il faut faire son sac et aller au siège social de la distrib. Faire son pactage, ouais. Son pactage. Tu vas bientôt changer de dépôt de code source ou pas? Ah oui, Manon aimerait bien que j'aille sur GitLab. Faudrait que je fasse un miroir sur GitLab, effectivement. Moi ce qui m'intéressait c'est d'aller voir notamment... Alors je vais me baser sur les exemples. Hop. Et je crois que dans les exemples, il y avait un truc. Je vais peut-être regarder dans l'exemple Ubuntu. Hop. GitHub a été pointé du doigt il n'y a pas longtemps dans des articles sur Linux Affaires ou Twitter, tu sais plus. Oh, ça fait un moment. Hein. GitHub a été racheté par Microsoft et depuis ce jour, c'est devenu. Voilà. La raison pour laquelle je reste. Parce que j'avais déjà créé un compte GitHub avant, la raison pour laquelle c'est une question de popularité en fait. GitHub est aujourd'hui le dépôt de code public le plus populaire. Alors, a priori ici, parce qu'il y a un endroit, il y a un exemple avec une taille de disque, donc c'est pas ici. Est-ce que c'est pas dans le resize base par hasard? Non, je n'ai absolument pas testé GitHub Copilot d'Enkashi. Surtout qu'en plus, maintenant, il est passé payant. Et j'ai pas envie de donner de l'argent à Microsoft. Disque Ubuntu Resize. Size. Alors, je sais pas à combien il l'a mis, là, sa taille. Mais en gros, il y a moyen de mettre un size... Et la taille, je ne sais pas en quoi elle est, donc on va aller regarder. Je crois qu'il y a un répertoire de documentation. Hop. Ok. README, makefile, migration, remove, requirements. Ouais. Ouais, mais s'il y a juste ça, migrate provider. Ok, si c'est juste pour migrer le provider, c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, on peut aller regarder directement dans le code source, en fait.
Et ce que je voudrais voir, c'est le stockage. Libvirt pool volume. Tiens, ça m'intéresse, volume. Et on va aller chercher size. Schéma, type int, ouais, ok. Ça veut dire on peut pas choisir la taille. Ah, la taille va être celle de la... Ok. Donc il va falloir que je fasse gaffe, il y a peut-être des ajustements à faire à ce niveau-là. Figure de forme de image, ok. Update the image and the description. Ok, soyons... Ouais. Ah, donc a priori, ce sont des octets. Ce sont des octets. Donc, je vais sortir ma calculatrice parce que je suis très mauvais en calcul mental. Hop. Donc, si je veux 30 gigaoctets, donc c'est 30 fois 1024 pour avoir... ça, c'est des mégaoctets. Je refais x 1024 pour avoir des kilooctets. Et je refais x 1024 pour avoir des octets. Ça fait beaucoup d'octets tout ça. Hop, on va se le garder dans le coin. Et donc, a priori, je mets un size quelque part. Alors, j'ai mon base volume. Ok, donc a priori, j'ai pas trop de soucis. On va essayer ici, size. Alors, ce que je vais faire pour le moment. Hop. Hop là. Hop, on va être là et on va faire var. Disque size. Je vais mettre. Non, je vais mettre. OS image name. Ouais, alors je vais faire OS image size. Voilà. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien mettre un deuxième disque à l'occasion, mais je vais pas développer ça tout de suite. Donc, à partir du moment où j'ai rajouté mon petit var ici, il va falloir que j'aille créer la variable en elle-même. Alors, je vais aller la mettre plutôt OS Image Name. Hop, là, c'est bien là. Alors, Inch Black, s'il te plaît, alors, je te demande un petit instant. Je voudrais juste. Hop. Default égal, alors pour le moment je vais mettre cette valeur, hop là, non, je vais mettre la valeur que j'avais et je réponds à ta question. Inch black, hop là, hop. Alors, est-ce qu'on peut devenir administrateur système ou réseau sans diplôme, et si oui, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant ou présenter comme pour les développeurs le portfolio? Ah. Alors, est-ce qu'on peut devenir administrateur système ou réseau sans diplôme? Oui, on peut. On peut. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Alors, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai eu les diplômes. Mais j'ai vu des gens s'en sortir sans. Alors aujourd'hui, ces gens-là, ils ont assez d'expérience pour pouvoir mettre en avant leurs expériences. Et dire que même si j'ai par exemple un diplôme en lettres, genre un diplôme en japonais par exemple, alors je ne choisis pas de dire j'ai un diplôme, je crois que c'est une licence en japonais. Alors moi non, mais je veux dire je ne dis pas ça par hasard, c'est que j'ai déjà rencontré quelqu'un qui d'ailleurs s'en sort plutôt bien en administration système, décider de changer de voie après un diplôme de ce type. Donc c'est possible. Après, effectivement, il va falloir montrer que tu sais faire. Là, pour le coup... Alors, c'est un string ou int qu'il faut mettre où ça n'a pas d'importance. Alors, l'île style, pour être honnête, dans l'immédiat, je n'ai même pas typé mes variables dans mon truc Terraform. J'ai découvert qu'on pouvait les typer il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui en fait, pour être honnête. Et je pense que je vais essayer de typer mes variables, tout à fait.
Mais pas tout de suite. Alors, Fabus78 qui dit oui, possible, admin réseau sans diplôme, tu as passé des certifs quand tu étais jeune. Ah, bah oui, c'est une autre technique, effectivement. Si jamais tu peux passer des certifs, c'est complètement possible. Aujourd'hui, dans le monde professionnel, tu as un certain nombre de certifications que tu peux passer avec ou sans formation préalable. Après, ça coûte de l'argent. Si jamais tu es demandeur d'emploi, je pense qu'il vaudrait mieux aller voir le Pôle emploi pour voir si tu peux te faire financer toute ou partie de ces certifications. Typiquement, si tu veux faire, si tu veux par exemple faire du cloud, tu peux aujourd'hui aller passer même en ligne. Alors c'est un peu casse-pied en ligne, mais tu peux passer certaines certifications en ligne, que ce soit pour du cloud ou pour pas, ou pour autre chose. Hein. Moi, je sais qu'en termes de certification, alors il y a très longtemps, j'avais essayé de passer une certification Microsoft, je l'ai pas eu, comme par hasard. J'ai passé une certification réseau, j'ai passé le CCNA il y a très longtemps de ça, mais du coup je l'ai jamais renouvelé. Azram qui a l'air d'avoir passé des certifs AWS, je suppose. Moi aussi j'en ai passé deux. J'ai fait des certifs Red Hat. J'en ai passé 2-3 des certifs Red Hat. Tu peux aussi passer les certifs de du LPIC. Je sais plus si c'est ça. Hop. LPIC certification. Hop là. C'est la LPI, je crois. Voilà, c'est ça. Linux Professional Institute, LPIC-1. LPI.org. Et donc, tu as, voilà, tu as des modules et tu as, en plus, voilà, les exams, ce genre de choses-là. Cisco, je sais pas si on peut les passer en ligne. Mais je sais pas s'il y a moyen de passer des certifs Cisco comment dire, comme ça, en one shot. Quoi, les certifs, ça veut pas dire que tu connais. Alors oui, effectivement, il y a toujours aussi la problématique du beaucoup de certifications. C'est de la réponse à du QCM. La raison, elle est relativement simple, hein, c'est que c'est un truc qui est très très facile à automatiser. La réponse à des QCM. Donc ça se prête au jeu. Enfin, ça se prête bien, en tout cas, à automatiser. Et par contre, les certifs Red Hat, au moins pour la RHCSA et la RHCE, qui sont les deux que j'ai passés il y a quand même déjà un petit bout de temps, parce que c'était du RHL6. Je les avais passés en 2011, c'est pour vous dire. C'était du... Alors, je les avais passés, je les avais pas passés en... Comment dire, en mode à la maison sur Internet. À l'époque, ça se faisait pas. Je les avais passés sur site, chez Red Hat à la Défense. Et en gros, en fait, tu es mis devant une machine qui est fatalement réinstallée pour en mode kiosque pour l'examen. Mais c'est de l'examen pratique. Et je crois que j'ai pas le droit d'en dire beaucoup plus parce que bien souvent les certifications sont soumises à des accords de non-divulgation. Après, j'ai envie de dire, mon examen c'était RHL 6, j'ose espérer que si quelqu'un ici va moufter à Red Hat, j'espère qu'on n'en tiendra pas rigueur. Ferdodo qui dit si tu as des compétences. En parler en entretien permet de rassurer les recruteurs. Le DevOps de mon ancien taf a passé des tests techniques également. Si tu es confiant, tu peux tenter d'y aller comme ça. C'est une technique, oui. Après, y a aussi toujours... effectivement, il y a des recruteurs techniques qui sont qui vont aussi chercher lors des questions à essayer de te mettre... de voir exactement ce que tu vaux sur le plan technique. Il faut bien se baser sur quelque chose quand tu as plein de CV, mais je trouve ça dommage de s'arrêter au diplôme certif. Oui, c'est dommage. Après, il y a beaucoup de CV, c'est limite la pêche, comment dire, enfin pas les CV, mais je veux dire les gens qui recrutent au niveau des CV, ils vont aller chercher sur des mots-clés. Hein.
Revenons à notre Terraform. Donc pour le moment, j'ai rajouté une variable osImageSize. Alors je vais peut-être la rajouter dans mon tfvar. On va aller cela mettre ici. Tiens, hop, osImageSize. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la même valeur ici pour l'instant pour un premier test. Hop. Mais vous pouvez continuer à discuter sur le sujet. Hein. Je vous lis, je vous réponds. Donc là, a priori, j'ai. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais tout détruire en fait. Hein. Je suis désolé, je vais détruire mon petit rancher. Destroy. Hein. Allez, moins auto-approve. Voilà. Tu fais tourner toutes les VM chez moi. Alors oui, Faire Dodo, je les fais tourner toutes chez moi sur une machine qui sont sur une deuxième machine. Hop, là tu vois la machine là, ça s'appelle Marvin. Donc là normalement j'ai plus de VM et je sais plus si j'ai installé NeoFetch. Ouais, j'ai installé NeoFetch. Voilà. Donc la machine qui sert de lab, en fait, c'est une machine avec deux CPU, un peu de RAM et du SSD pour pouvoir tourner correctement. Et bien entendu, je ne l'allume pas H24. Je l'allume juste pour quand j'en ai besoin. Et comme ça, au moins, c'est en local. Ça m'évite d'aller filer de la thune à AWS, à Azure ou à Google. Go Terraform Walker Texas Rancher. Pas mal Manon, bravo. Je valide. Hop, revenons sur le sur la partie Terraform. Bah écoute, on va en faire un autre truc. Hein. Terraform. Validate déjà, peut-être. Est-ce que. Ouais, c'est valide. Inch Black qui dit merci à vous. Bah écoute, à ton service, hein. Tu vas passer le certif et essayer de mettre tes compétences en avant. N'hésite pas, Inch Black, si jamais tu fais des trucs, des petits bouts de script, des choses comme ça, mets-les sur un repo public genre GitHub ou GitLab, préférablement GitLab pour faire plaisir à Manon, et n'hésite pas à mettre l'URL vers ton profil sur ton CV. Manon qui est en train de faire une note de synthèse pour un devoir maison et ça te saoule, heureusement, tu peux faire des blagues ici. Ravi de te donner l'espace pour pouvoir lâcher du lest de temps en temps. Allons-y. Plan. Oups. Plan. Voilà. Alors. Est-ce que on va avoir plein de. Alors, ce que je vais peut-être faire d'ailleurs. Hop, je vais. On va commencer gentil, je vais faire un nœud d'abord. Parce que s'il faut que j'attende que toutes les machines soient. Hop, voilà, comme ça il n'y en a qu'un. Et on va voir. On va voir ce que ça donne. Alors. Azram, du coup, je suis pas certain que tu as vu mon message tout à l'heure. Pour les notes 0 à 2, tu auras besoin d'un second disque pour les hosts. Est-ce que ça a une importance par rapport à ce que tu fais en ce moment sur Terraform? Alors, Azram, pour être complètement transparent avec toi, une heure avant le début du stream. Je me disais, tiens, il faudrait peut-être que je regarde s'il n'y a pas moyen de que j'ajoute un deuxième disque. Et je vais sans doute vouloir l'ajouter sur toutes les machines. Pourquoi sur toutes les machines? Parce que je m'en fous, j'ai 1 Tera de SSD dans le Home Lab, donc il y aura de la place. Donc si je fais 50 Go x 5 machines, ça me fait 250 Go, ça devrait le faire. Est-ce que je vais le faire tout de suite pour ajouter le deuxième disque? Je sais pas, on va voir. Généralement je coupe les streams vers 20h. Là je vais me faire un petit bonus histoire au moins de vérifier que ça fonctionne, et une fois que ça fonctionne, je pense que j'arrêterai le stream et je ferai probablement le deuxième disque hors stream, sauf si ça vous intéresse et que vous vouliez que je reprenne dimanche prochain, là où je m'arrête ce soir. Ça dépendra des gens. Faire Dodo, super, j'ai fait la même chose chez moi avec un PC portable qui est dédié à faire du libvirt KVM, c'est pour ça que je suis curieux de ton setup. Et ben mon setup, tu fais point d'exclamation hardware et tu auras plus d'infos.
Azram, c'était pas pour le faire tout de suite, c'était pour vérifier que tu n'allais pas le découvrir plus tard et devoir tout refaire. C'est très gentil à toi, Azram, de vérifier. Allons-y. SSH, on va se connecter. Roulement de tambour, je suis connecté, petit df-h. Et il me dit que j'ai 29 gigas. Et ça, c'est très cool. Ça, c'est très cool. First time chat from Most VIP qui est intéressé par mon hardware. Mais je crois que je me suis trompé de... parce que ça, c'est le hardware de ma machine de stream. Est-ce que j'aurais pas fait un point d'exclamation HomeLab par hasard? J'ai un doute. Je suis désolé pour le mauvais la mauvaise commande. Je crois pas qu'il y ait de point d'exclamation help. Alors il y a un point d'exclamation socials. Après le truc du home lab, vous l'avez dans la page de en dessous en fait. Vous avez les informations sur les panels en dessous. Vous avez ce que j'ai comme machine de stream et il y a le truc sur la. Alors d'ailleurs il est pas à jour, tiens. J'ai oublié de préciser le nouveau SSD. Hop. Je vais vous mettre ça tout de suite. Ouais, la 3070 pour faire du KVM, c'est musclé. Je suis assez d'accord, faire dodo. Mais là, tu vois, sur le NeoFetch que j'affiche à l'écran, c'est une carte mère Super Micro avec deux Xeon X15 5670. Hop, voilà. La GTX 1070, bon, elle dort un peu pour le moment. J'avais fait du pass-through lors de certains streams. On s'était amusé à mettre un Windows et à faire tourner Open Arena dessus. Et donc, en termes de disque, si je te fais un petit sudo fdisk, on va faire un lsblk, tiens. Blk, voilà. J'ai un SDA qui fait 120 gigs et j'ai un SD... Comment ça, SDC? Pouf, pouf. Ah oui, c'est qu'il y a eu... Ah oui, c'est vrai que... Oui, il aurait mieux que je fasse le fdisk. Hop. Où j'ai, on va faire pipeless, voilà, où j'ai grosso modo, voilà, j'ai ça sur la machine. Je tape HomeLab comme ça, ça le fait pas? Si, ça le fait, voilà, point d'exclamation HomeLab. Et du coup, à la place du Western Digital, j'ai mis un Crucial MX500 de 1 Tera. Hop, je vais garder ça sous le coude, on sait jamais. Alors, où est-ce que j'en étais? Il m'a fait 30 gigas, c'est cool. Et ensuite, ce que je voudrais faire, c'est revenir ici. Donc là, j'ai la taille de mon OS. Moi, ce que je vais vouloir faire dans un premier temps, ça va être... non, je vais juste mettre en commentaire ça. Hop, et on va aller ici, et en taille de base, ce que je vais faire, je pense que c'est pas trop idiot si je mets en valeur par défaut 8 gigas. Donc, si je fais 8 fois 1024, ça me donne des mégaoctets, fois 1024, ça me donne des kilooctets, fois 1024, ça me donne des octets. Hop, voilà. Point d'exclamation man. Ah, vous me donnez des idées là. Ça... Hop. Et normalement, je crois qu'il y a un champ de description de mémoire. Alors, je l'ai pas noté. Mais je me demande s'il n'y a pas un truc genre description, non? Ou. Attendez, je regardais ça parce que j'ai voulu rechercher ça cet après-midi. Je sais que je l'ai dans un coin. Alors, le truc, ouais, s'appelle bien description. Donc, je vais le mettre ici. Et donc, c'est... Alors, Denkashi, la finalité de ce truc-là, en gros,
C'est tout simplement pour me faciliter la vie, justement par rapport au stream de ce soir. En fait, ça, c'est pas l'outil de... C'est pas, comment dire, c'est pas le sujet d'origine du stream. C'est juste un outil pour me faciliter, en fait, la création de nombreuses machines pour mes streams, en fait, pour mes streams ou pour des labs. Quand je veux, par exemple, faire un test avec de la répartition de charge, et que je veux 5 machines virtuelles identiques, et ben j'utilise cette recette Terraform et je crée 5 machines virtuelles identiques avec une commande Terraform. Et de cette façon, je me facilite la vie, en fait. La raison pour laquelle j'ai ressenti le besoin de faire ce truc-là, c'est que il m'est arrivé, et je pense que Yoda peut en être témoin, il m'est arrivé de me lancer dans des streams où je suis en mode « Bon, bah, je vais commencer par créer la machine virtuelle pour faire mon truc. » Et puis, 1h30 plus tard, j'ai dû réinstaller 3 fois. Et ça va bien, comment dire... En gros, le temps d'installation d'une VM, par exemple, avec un pré-seed ou un kickstart, ça va être, on va dire, 10 minutes. Le temps d'installation de 5 VM avec ce truc-là, bah, c'est aussi 10 minutes. Voire même, en fait, 5 plutôt. Même moins, en fait. Ah non, c'est... Ah non, c'est pas la faute de Yoda. Je cite Yoda comme témoin qui m'est déjà arrivé de perdre beaucoup de temps à réinstaller des machines virtuelles. Donc, description. Size in bytes. Disk size for OS disk size. Hop là. Voilà. Donc, le default, j'ai mis donc à 8 gigas. Donc, ce que je fais là, c'est que normalement, si je repop une VM, je devrais avoir une VM qui a que 8 gigas. Sauf que je me suis trompé. Alors, interface, nanana. Alors, Terraform, validate. Hein. Où est-ce que je me suis trompé? Ah, la conf est valide. Alors, j'ai pas destroy, hein. J'ai peut-être pas destroy. Non. Alors, ligne 11 sur output.tf. Host and IP. Ah. Un petit list of string. Qu'est-ce qui m'a fait? Alors, est-ce que j'ai toujours le node 0? Il est toujours là. Ah, c'est peut-être pour ça, en fait. On va le lancer. Et oui, je l'avais éteint. J'ai fait un power off. Donc là, si ça se trouve... Voilà. Alors, maintenant que ça c'est vu, je replanifie et j'apply. Et en toute logique, avant que j'appuie sur entrée, est-ce qu'il ne m'indiquerait pas genre la taille du disque quelque part? J'ai pas l'impression. Ou alors ça doit être trop haut. Bon, eh ben allons-y. Ah si, elle est là. Donc c'est reparti. On repop une VM. Et normalement, une fois que ça marche, je documente, je commit, et on terminera sur ça. Ah bah mince alors, Rancune n'est pas en train de streamer, je ne vais pas pouvoir le raider. Ok, hop, on a une IP, allons-y. C'est le jeudi qu'il stream. Oui, je sais, Manon. Je le fais exprès. Et là... Ah, tiens, je suis à 7. Bon, c'est qu'avec les différentes tailles de... Les conversions de taille. Bon, en tout cas, c'est cool. C'est très cool, parce que ça veut dire que ça fonctionne. Donc, maintenant, on peut destroy à nouveau. Non, le dimanche, je fais relâche. Puis sinon, je pourrais pas t'écouter. Oh, c'est gentil, Rancune. Merci à toi. Bon, et ben, il y a Amourante qui stream. Ouais, alors, comment dire, je sais qu'on est 32, mais,
Mais aller faire un raid chez Amourante, je suis pas certain que ce soit l'idée du siècle. Honnêtement, j'allais le dire tagle sur Twitter, peut-être que ça la motivera. Ok, donc a priori, ça c'est bon. Ce que je vais faire. Manon, tu ne connais pas Amourante. Un truc sur la compilation avec Ant. Ah. Ah, d'accord, ok. Si, tu sais, c'était juste pour placer la blague. Ok, pas mal, bien vu, pas mal. Pas mal. Ah non, tu connais vraiment pas. Tu connais pas. Amourante, c'est une streameuse sur Twitch. Comment dire, qui est l'une des streameuses les plus célèbres de Twitch et qui a quasiment, enfin c'est pas elle la top du top je crois, mais en tout cas elle en est pas loin. Elle doit faire partie du top 5 des streamers qui ont le plus de follow, de subs, enfin les plus populaires sur la plateforme. Et comme le dit Azram, c'est beaucoup à base de piscine. Alors Fabou, c'est un. Alors honnêtement, hein, je ne suis pas abonné à Amourante, je ne la regarde pas, je ne la follow pas non plus d'ailleurs. Mais je pense que vu la quantité de follow et de sub qu'elle a, moi je veux bien, comment dire, je vais pas dire je veux bien être débile comme ça, mais bon, je suis pas vénal à ce point non plus. Mais disons que elle s'en sort plutôt pas mal. Donc c'est qu'elle a fait, elle a fait des bons choix. Oui, voilà. Vu tous les business qu'elle gère, on est d'accord, Azram. Donc j'ai quitté, oui, j'ai quitté tous mes trucs parce que je voulais faire un truc. Je vais faire un Terraform FMT et histoire de voir. Voilà, c'est mis comme il faut. Allez. Et j'ai pas un README aussi à mettre à jour. Hop. Voilà. Merci beaucoup pour le follow, Memzi. Merci à toi. Bon, cette histoire de bot, elle a l'air d'avoir un peu dézingué mes notifs. Heureusement, je l'ai vu passer, hein. Parce que j'ai eu rien au niveau son. Du coup, ça n'a pas dû déclencher le petit personnage. Très bien. Ceci étant fait, hop, on va se faire un dernier petit sondage. New poll. Hop. Hop, allez, un petit sondage pour voir si on démarre le stream de dimanche prochain par un peu de Terraform pour ajouter le deuxième disque, comme me le suggère Azram, ou alors est-ce qu'on va direct sur Cube Rancher et je vous prépare le deuxième disque en avance de phase. Manon qui rajoute. Alors tiens, je vais passer comme ça d'ailleurs. Hop, voilà. Je trouve dommage qu'au final, les plateformes de type Twitch ou YouTube ne soient pas plus utilisées pour l'éducation et la transmission de connaissances et qu'il y ait beaucoup de trucs assez inutiles.
Je trouve que malgré tout, il y a du, il y a pas mal de trucs éducation ou en tout cas parfois vulgarisation et comment dire et enfin oui bien sûr il y a des gens qui sont là pour le divertissement et pour être honnête le divertissement c'est une bonne enfin c'est pas en soi un problème voilà on en trouve hein. Ne serait-ce que Yves Rougy ou Emile. Tu vois, typiquement, j'ai envie de dire, même Emile qui fait tantôt de l'éducatif, tantôt du divertissement, quand il ne mélange pas joyeusement les deux. Et c'est ce qui fait qu'on l'adore. Donc, d'ailleurs, hein, pour celles et ceux qui ne savent pas, Emile NB hein, sur Twitch, que vous pouvez aller follow de ma part. Twitch.tv/EmileNB. Hop. Si vous voulez voir. Ouais, le boss, exactement. Bon, visiblement, Faire Dodo, il connaît déjà. Mais voilà, honnêtement, Donc, a priori, je vais attendre dimanche prochain pour le deuxième disque. Donc, on fera un petit peu de Terraform dimanche prochain. Ça me rassure un peu que ça vous pose pas de problème parce qu'en fait à la base moi j'essayais enfin le petit code là le petit truc ManyNodes le but c'était juste d'avoir un outil pour me faciliter la vie et je sais que j'ai fait beaucoup de Terraform les jeudis soirs et je voulais pas comment dire je voulais pas vous saouler avec du Terraform voilà donc si ça vous saoule pas ça me rassure c'est plutôt chouette. Bien, et ben je pense qu'on va en rester là pour ce soir. J'espère que ça vous a plu, même si ça n'a pas été couronné de succès. J'ai quand même l'impression d'avoir fait des choses intéressantes malgré tout. Bonne soirée à toi, Manon. Merci beaucoup pour le follow, Cookie. Merci à toi. Il y a plusieurs cookies en plus. Parce qu'il y avait une autre cookie qui était là, Cookie avec un U. Et là, on a Cookie avec deux O. Bah merci à toi d'être passé, Riz Jack. Merci à toutes et à tous. Bonsoir à toi, Cookies. Ah oui, il y a Cookies. Enfin non, il y a Cookie avec un U, il y a Cookie 1045 et il y a Cookies avec un Z. Merci beaucoup, Rancune. Ah tiens, là par contre, j'ai eu la notif, le sub. Merci beaucoup pour le gift sub. Ça me... Je suis pas digne. Voilà. Ça va être la petite mimique quand je vois un gift sub. Où en étais-je, moi? Ouais, j'allais partir sur ma petite lancée en fin de stream pour vous rappeler que je stream les dimanches habituellement de 18h à 20h et les jeudis habituellement de 20h à 22h. Que entre les streams, vous pouvez me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux, dont Twitter, Mastodon. Les adresses sont là-dessous. Vous pouvez faire !!/ socials dans le chat si vous voulez retrouver tous les endroits sur les réseaux sociaux et notamment aussi ma page perso, mon blog. Vous avez... Non, je ferai pas Shawing. Je ferai pas Shawing sur Twitch. Merci Faire Dodo. Je suis complètement paumé. C'est magnifique. C'est voilà. J'ai Wayne's World qui me revient en tête. Merci. Chat 256, ouais, c'est mieux que Shawing. Chat 256, c'est pas mal. Merci. Bref, vous pouvez donc me retrouver sur d'autres réseaux. J'ai de très vieux lives qui traînent aussi sur YouTube. Vous pouvez aller y jeter un œil. D'ici là, moi, je vous souhaite un bon début de semaine. J'espère pour vous que vous serez pas trop embêtés par la chaleur. Je sais que... alors, petit truc aussi avant de vous laisser. Si pour une raison ou pour une autre, je ne stream pas dans les jours à venir, ce sera très certainement à cause de la chaleur. Si jamais les machines se mettent à avoir trop chaud... alors, je sais que je les allume au dernier moment pour éviter ça. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Mais je préviendrai du coup sur les réseaux sociaux et sur mon serveur Discord.
si jamais je ne suis pas si jamais je ne peux pas streamer pour cause de forte chaleur. Voili voilou. Je vous souhaite une excellente fin de week-end, un bon début de semaine. Je vous donne rendez-vous jeudi pour le prochain stream sur le lab Azcode. Et d'ici là, amusez-vous bien. Ciao, ciao !